Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 40, un enseignement que Nisargadatta Maharaj a donné le jeudi 29 juin 1978. Seul Paramatman a la connaissance du temps. Paramatman, avant le temps. Paramatman, Parabrahman, au-delà d'eux, et à la connaissance toujours de bien voir cela dans le sens employé par Nisargadatta, c'est-à-dire pour dire qui est témoin, qui est non modifié par le temps, non concerné par le temps. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est être le témoin avant, ce qui est antérieur à. Tout le reste qui s'identifie au corps devient victime du temps. C'est-à-dire, ce qui de nous se tient en dehors du temps est antérieur au temps, et ce qui de nous devient, on pourrait dire, victime du temps et pris dans les tourbillons du temps. Tous les noms appartiennent au temps, tous les objets. Quand vous venez à connaître « je suis », c'est la naissance du temps. Porte. Je suis toujours pas comme quelque chose d'objectifiable là non plus, mais cette porte, la porte du temps, de la manifestation. C'est le temps qui est né, pas l'enfant. Pour celui qui a réalisé le soi, le mouvement de l'horloge et le temps sont une seule et même chose. On pourrait dire que celui qui a réalisé le soi serait comme un positionnement à la fois tout au centre de l'horloge et en même temps tout l'espace dans lequel se déploie le temps. À la fois le cadran, en quelque sorte, dans le sens de la manifestation, la conscience une, et le point central, cette conscience atomique dont nous parle Nisargadatta, qui serait le point central, là où le temps ne bouge pas. Le temps ne peut se déployer. Pour le Gnani, le temps a pris fin. L'ignorant vit en pensant qu'il est le corps, et il est donc prisonnier du temps. Écoutez juste ceci. Il n'y a pas besoin de rituel. Quoi que vous en entendiez ici, soyez-en conscient. Et ensuite, votre méditation suivra son cours. Votre présence est antérieure à la méditation. Là aussi, à chaque fois, c'est une invitation aussi à voir en tant que qui, quoi je médite, si je médite. Est-ce cette présence consciente, on pourrait dire, qui se pose en elle-même et qui est témoin, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est témoin de tout ce qui peut se déployer en elle, devant elle, peu importe, et qui assiste à ces mouvements du temps devant elle, en elle. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui médite à un moment donné et qui est dans cette histoire du temps. Ça, c'est un aspect, une clé importante d'approche de la méditation et de cette approche de la méditation dans un sens non pas simplement d'un moment de pause et de détente, mais vraiment de revenir à nous-mêmes véritablement, de repasser cette porte du temps, on pourrait dire, et donc de l'identification, et donc de tout ce processus de sortie de l'histoire, en fait. Le corps repose sur le temps, la conscience dans l'embryon est latente, elle émerge sous la forme de la conscience d'être, conscience
d'exister, j'existe. Lentement, la conscience latente commence à se déployer. Est-ce que l'embryon expérimente le temps? Il ne connaît pas son corps. Après la naissance, il va commencer à s'identifier au corps. Il y a une expérience du temps. Il commence à connaître sa mère, il reconnaît sa voix. Ah, voilà, Nisargadatta nous évoque là, à sa manière, tout ce processus de, hein, de développement d'une conscience qui va s'individualiser et qui va s'identifier, hein, à moi, l'autre, voilà, ce qui m'appartient, ce qui n'est pas moi. Voilà, tout ce processus-là, bien évidemment. La croissance d'un corps est le produit du temps. Personne ne peut le vouloir. Un phénomène impersonnel, non volontaire. Force et faiblesse apparaissent encore avec la nature du temps. Aussi, comprenez le déroulement du temps. Tout ce que vous dites résulte du temps. Celui qui connaît le temps n'a ni connaissance, n'a ni naissance, ni mort. Sans la conscience, personne n'a la connaissance. Personne n'a la connaissance, je suis, ou d'ailleurs, je ne suis pas. Mais ça n'est pas, justement, ça n'est pas encore là, juste quelque chose à essayer d'imaginer, de comprendre, de vouloir mémoriser, se persuader. C'est une invitation à chaque fois à observer pendant, par exemple, plus particulièrement, c'est ce qu'on appellera la méditation, c'est-à-dire cette présence à soi. Eh bien, d'observer cela. Qu'est-ce qui, ici, voilà, en revenant à ce « je suis », sans qualificatif, en laissant voilà, du côté du temps, tous les qualificatifs, toute histoire, revenir à cette simple présence « je suis », passer cette porte si étroite qu'il faut tout laisser de l'autre côté. Voilà, et en se tenant là, au moins là, on pourrait dire mettre un pied dans la porte, voilà, pour qu'elle ne se referme pas, en quelque sorte, c'est une image, bien sûr. Et là, pouvoir, voilà, s'ouvrir et voilà, s'ouvrir à ce para-atman, ce para-brahman. On ne peut rien en dire, donc c'est, voilà, je dirais, s'ouvrir à cela et voir que c'est non pas quelque chose qui nous est étranger, quelque chose qui est extérieur, mais que c'est un fondement véritable de tout ce qui peut être perçu, objectifié, décrit, etc., etc., etc. Le temps est mouvement qui est aussi conscience. La mesure de la durée pendant laquelle le temps est expérimenté est le temps de votre vie. Vous êtes le support du temps, donc antérieur au temps. Celui qui connaît le temps n'est pas le temps. Connaît dans le sens toujours là d'être ce témoin immuable. La source de création du temps est sans nom. Vous pourriez l'appeler Paramatman, Parabrahman, l'avant-tout, l'absolu. Le temps vous montre son propre film. Votre naissance en fait partie. La conscience endormie sort de l'utérus, c'est-à-dire avec voilà, ce déploiement de cette conscience individualisée qui va voilà, avoir conscience d'exister. Donc exister dans, vraiment dans ce sens toujours, de se tenir en dehors de. En dehors de quoi? Bah finalement en dehors d'elle-même en quelque sorte. Dans la mesure où ce serait possible. C'est bien pour ça qu'on parle toujours d'illusion. Elle est portée par le temps. Il y avait des personnes qui connaissaient les trois temps, passé, présent, futur. C'est encore le cas. Mais qui est celui qui connaît le temps? Quand on leur dit que celui qui connaît le temps est Paramatman, les mêmes disent « Oui, nous comprenons bien ».
savez-vous que vous êtes vous-même celui qui connaît le temps ? Voilà, toujours cette invitation de Nisargadatta à ne pas se contenter de philosopher sur le sujet, mais vraiment de rentrer dans cette introspection, dans cette observation, ce discernement. Et qui est à la portée de tous, puisque c'est ce que nous sommes. Celui qui est antérieur au temps n'a pas de naissance, par définition, hein, puisque la naissance, déploiement, vie et dissolution, mort, sont ne peuvent que se dérouler dans le temps. Vous êtes né sans votre connaissance, sans la connaissance d'exister. La connaissance arrive après la naissance du corps. C'est le résultat de la nature du temps. Pendant le sommeil profond, les activités du jour suivant sont programmées. Ce programme est comme enregistré et le comportement s'y conforme. Pour faire de ceci votre propre compréhension, soyez unis à votre « je suis ». Vous devez réaliser cela par vous-même. Toujours cette même invitation et ce retour à ce « je suis ». Simple présence, simple conscience d'être. Mais pas comme quelque chose à... pas comme un objet, mais voyez-le comme une porte qui vous ramène à votre... état premier, à votre état ultime. Le temps possède tous ses noms, et là Nisargadatta les énumère, le soleil du monde, le soleil du soi, le soleil de l'univers, etc. Ce soleil est votre propre conscience. Quand vous êtes dans votre soi, c'est le soleil de la connaissance. Le soleil signifie le temps aussi. Tous ces noms sont donnés à votre conscience. C'est le soleil du soi. Des noms variés comme conscience, force vitale, connaissance du soi, amour, etc. sont donnés à l'être. Faites preuve de dévotion pour cette conscience. Donnez-lui le statut de gourou. Contemplez-la, soyez révérencieux. L'invitation, là, des formules qui nous invitent à nous tourner vers cela. Nous tourner vers cette conscience pure. Toutes vos autres activités seront mangées par le temps. Reconnaissez le soleil qui est la connaissance du temps, et alors le temps vous servira. Vraiment un shift, ne plus se vivre, on pourrait dire, en tant que petit personnage d'une histoire donc liée au temps, dans l'histoire, il était une fois, mais revenir à... ce en quoi on pourrait dire ce qui est le témoin de cette histoire, ce qui est la conscience qui éclaire cette histoire. Le livre s'ouvre, la lecture se fait, le livre se referme, et ici, c'est en dehors du temps. Faites le vœu de pratiquer cette dévotion. Celui qui pratique la dévotion acquiert avec certitude une extension de vie. Vous ne pouvez pas vous moquer du suprême soi. Si de cette extension est fait un mauvais usage, il en résulte des désastres. Là, c'est aussi une invitation à vraiment, ce précieux, à la fois en même temps, voir l'illusion du temps et le voir pour ce qu'il est, et en même temps de savoir en faire, on pourrait dire, un bon usage, un usage précieux qui est toujours au service de cette reconnaissance du soi. Toujours ce précieux de
l'expression d'une vie humaine en tant que conscience qui permet d'avoir accès à cela. À cause de l'illusion de Maya, le jiva ne peut accéder à cette connaissance avant que la mort ne survienne. Voilà, ce voile de l'illusion qui crée ce sentiment d'être séparé de soi-même. Donc le jiva, cette conscience identifiée, en son mode identifié, on pourrait dire. Vous n'avez pas besoin de détermination, de faire un vœu pour réaliser Paramatman. Il est le témoin de la détermination. Tout à l'heure, Nisargadatta nous dit « Faites le vœu de pratiquer la dévotion ». Et là, il nous dit « Vous n'avez pas besoin de détermination ou de faire un vœu pour réaliser le Paramatman ». C'est toujours ce jeu du paradoxe, bien évidemment. À la fois de tendre, de tout. Si on a l'impression d'avoir le choix, eh bien, tant qu'on a l'impression de pouvoir faire quelque chose, d'avoir un choix, eh bien, de faire ce qui tend vers ça, bien évidemment, si c'est notre seul désir. Et puis, à un moment donné, eh bien, de voir qu'effectivement, ce qui se réalise en soi, en ce qui est là, ultimement, et qui n'a jamais été concerné par cette histoire. Et qu'il ne sera jamais. Le temps d'une vie se regarde dans un miroir de temps et d'espace, passant de voir. Mais comme quand nous passons, par exemple, dans la rue, à un moment donné, nous allons nous réfléchir dans une vitrine, si on peut voir le reflet, et puis nous continuons le chemin, et quand le reflet n'est plus là, mais nous sommes toujours là en tant que. Et là, c'est. Si on transpose, que la conscience et ce je suis de la manifestation se présente à nous, en nous, devant nous, nous nous reflétons en lui. Et quand le reflet cesse, oui, tout un aspect cesse, bien évidemment, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui n'a jamais changé pendant le reflet, avant le reflet, après le reflet. Vous n'avez pas besoin de détermination ou de faire un vœu pour réaliser Paramatman. Il est le témoin de la détermination, c'est-à-dire toujours pareil, un témoin, on pourrait dire qu'il a la connaissance de la détermination, c'est-à-dire qu'il est antérieur. Rappelez-vous à qui vous devez votre dévotion et pourquoi. Donc, d'où vient cette dévotion à la source, toujours revenir à la source. Rappelez-vous que la connaissance, je suis, est la parole du Gourou. Invitation aussi à revenir à cette unité de toute manifestation. Je suis la porte qui mène à l'absolu. Voilà. Eh bien, une invitation à méditer, à questionner, à revenir à soi à chaque fois que l'on semble être pris par ce tourbillon du temps, eh bien, c'est comme un voyant qui s'allume et qui doit être un rappel à qui nous sommes véritablement, à qui suis-je véritablement, quelle est ma véritable nature, suis-je, ce petit personnage de l'histoire dans le temps, ou suis-je ce qui voit ce temps se dérouler, cette histoire se dérouler. La trame aussi, le support de cette histoire. Bien à vous, en unité.